Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. I'm greeting you in the name of Jesus Christ. Dis avec moi à haute voix, mon histoire ne s'arrêtera pas. Say, my narrative will not stop. Parce que je reste attaché à mon père, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Because I remain attached to my father, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Si tu es en accord avec cette parole, acclame le Seigneur pour ta vie. Clap if you agree with the word. Alléluia. Amen. Restons debout, s'il vous plaît. La régie va nous aider avec Matthieu 21, verset 19. Matthieu 21, verset 19. Et Luc 13, le verset 6 à 9. Et j'aimerais, avant qu'on puisse lire la parole, dire before reading, I would like to say une chose en une minute et en trois points. One thing in 1 minute and 3 points. Je suis arrivé ici apprenti pasteur. I came here as an apprentice pastor. Et mon père, le Bishop Ouattara Mohamed Idriss, a fait de moi un pasteur dans l'ordre, non pas de Melchisedec, mais dans l'ordre du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. And my father made me a pastor in the order of Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Un jour après le culte, mon épouse est venue me voir et dit, papa Bishop a demandé à la secrétaire de me donner telle somme d'argent. One day my wife told me that, secretary told me that Daddy Bishop asked me to give you this sum of money. Et j'ai réfléchi. And I thought j'ai dit, about papa it. Ne fait rien pour rien. I said, it does not do anything for nothing. Donc je cherchais, je calculais. Then I was looking around. Jusqu'à ce que je vois ses cheveux. Till I see his hair. Et je lui ai dit, papa t'a donné l'argent pour que tu ailles faire tes cheveux. I said, Daddy gave you money to do your hair. Tu as presté ce soir, mais je pense que je n'ai pas joué mon rôle. Tes cheveux n'étaient pas bien faits. You sang today, but I didn't play my role. You did not do Et elle your a utilisé hair. Cet argent pour faire ses cheveux. She used the money to do her hair. La prophétie de ce matin m'a rappelé ce témoignage. And today, prophecy reminded me that juste pour dire que notre Père est un Père responsable. That to say that our Father is a responsible Father. J'aimerais toucher un troisième point que notre Père a déjà touché. The third point our Father has already touched. Notre Père disait tout à l'heure que nous avons trois enfants avec mon épouse. Our Father said that we have three children with my wife. Et je pense que c'est par ses prières que nous avons atteint ce record. And I think that this has been possible through his prayers. En 4 ans, 8 mois. In 4 years, 8 months. Nous avons eu trois enfants. We had three children. Mais c'est lié à un témoignage que j'ai déjà raconté à papa, je vais faire court. But it's linked to a testimony, but I want to make it short. J'étais dans l'un de nos laboratoires où on étudiait à l'université. I was in one of our laboratory. Au laboratoire de biochimie où on utilisait des tubes à essai. Laboratory of biochemics where we used some dans tubes. Un rêve, j'ai vu l'un de mes parents qui n'a même pas le niveau CP1 mais qui m'a trouvé à l'université. Me tenir par la main droite. I saw one of my parents who didn't stand at primary school holding me with the right hand. Un autre de mes parents qui m'a tenu par la main gauche. Another one holding me with the left hand. Ils n'ont jamais fait le CP2. They never have a second. Mais ils m'ont retrouvé à l'université dans un rêve. But they find me at the university in a dream. Ils ont pris ce bout de verre qu'on appelle tube à essai. They took the glass cord of avant mon mariage. Before my marriage. Et ils ont récupéré ma semence. And they recovered my seed. Je savais que c'était mon combat. I knew that it was my fight. C'était pas forcément le combat de ma femme. It was not the battle of my wife. Mais si tu me demandes comment j'ai eu la victoire, but if you ask me how I won a victory, comme un panneau indicateur, as an indicator, je vais pointer le Bishop Ouattara Mohamed Idriss. I'll point to Bishop Ouattara et te dire que ce sont ses prières et l'intercession de notre mère and so the prayer and intercession qui nous ont donné ce résultat dans ce domaine. That gave us a result in that field. J'aimerais que tu m'aides ce matin à acclamer le Seigneur pour la vie de mon père, help me pour la vie de ma mère, life of my mother and pour father. La vie de nos parents spirituels. Life of spiritual mother. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia! Pousse des cris de joie parce que toi aussi, make shout of si tu aspires à produire des fruits, because you tu vas en produire dans chaque domaine. You dans l'enfantement au nom de Jésus, dans tes finances, dans ton travail. Je parle à quelqu'un qui dit Amen. Et je parle à quelqu'un qui pousse des cris de joie en acclamant le Seigneur. Alléluia! Alléluia. Amen. Justement, le thème que je vais toucher parle de porter des fruits. The topic I'm going to talk about is about Paul and the fruit. Nous allons ensemble lire Matthieu 21, verset 19. Matthew 21, verse 19. Et un autre passage semblable. And another similar passage. À trois, nous lisons s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi.
Et à l'instant, le figuier sécha. Luc 13, versets 6 à 9. Luke 13. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore 7 années, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. » Verset 9, « Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » On peut acclamer le Seigneur, la parole de Dieu, et prendre place. And have a seat. Je traite le thème suivant. I'm dealing with the following topic. Permuter sa mauvaise nature. Swap your evil nature. Pour une meilleure. For a better one. Dis avec moi, permuter sa mauvaise nature. Say, swap your evil nature. Pour une meilleure. For a better one. Nous sommes dans le mois de la permutation. We are in a month of permutation. Ou du moins le mois qui nous parle de la loi de la permutation. Of the month for talking about the law of permutation. Permuter, c'est échanger. To swap is to exchange. C'est remplacer. Et to substitute. Pour me limiter seulement à ces deux définitions. Just to give those two definitions. Les deux textes que nous avons lus, nous parlent d'un figuier. The two texts we read is about a fig tree. Le figuier, c'est un arbre de la famille des ficus. The fig tree belongs to the family of ficus. Dans cette famille d'arbres, vous trouvez des lianes. In this family of tree, you have some let's say links. Alléluia. Généralement, ces lianes se comportent comme des parasites. They behave like parasites. Ils tombent sur un arbre. They fall on a tree. Qui devient leur tuteur. Become the tutor. Ils grandissent. They grow, produisent des racines, they produce roots, qui vont partir du lieu de leur germination jusqu'à toucher le sol. That will start until they reach the earth. Quand ces lianes vont toucher le sol, when they reach the earth, elles vont commencer à développer des racines, they start growing roots, tirer des substances du sol, drawing a substance from the commencer earth, à grossir, starting growing, se multiplier, multiplying, parce qu'il y a plusieurs racines qui descendent de l'arbre. Because we have many roots coming from the tree. Pardon, plusieurs lianes qui descendent de l'arbre. Many roots coming from the tree. Ils finissent par entourer l'arbre qui était leur tuteur. They end up surrounding the tree that is the par tutor. Exemple, il peut tomber sur un fromager. They can fall on a fromage tree. Sur un manguier. On a mango tree. Et germe. And they produce. Ils produisent des lianes qui vont descendre et toucher le sol. They produce things that will touch the soil. Et ces multiples lianes vont finir par enserrer le tronc de l'arbre sur lequel ils ont poussé. And those lianes will circle those trees. Jusqu'à l'étouffer. Till they stifle it. Il est étouffé, il va pourrir à l'intérieur. It is stifled, it will rot there. Pendant ce temps, in this time, le figuier a pris du temps pour grossir. The fig tree took time to grow. Pour mettre ses racines dans le sol. To put his roots in. Et il devient le tronc principal. And it becomes the main trunk. Et au milieu, vous avez un creux. And in the midst, you have a hole. Par la suite, later, il va grossir. It will grow. Pour devenir comme un vrai tronc. To become a very real trunk. Mais quand vous le coupez, but when you cut it, vous vous rendez compte que c'est plusieurs troncs qui sont assemblés pour donner ce grand tronc. You notice that it is a different trunk gathered to give that je big ne sais pas trunk. Si quelqu'un me suit jusque là. I don't know if you're following me. Donc le figuier n'est pas un vrai arbre. Then the fig tree is not a true tree. Il n'a donc pas un vrai tronc. It doesn't have a true trunk. Et finalement, il produit des fruits que les biologistes appellent des faux fruits. Then it produces a fruit that biology call fake fruit. Le faux fruit, c'est un fruit qui ne vient pas d'une fécondation. The fake fruit does not come from a fertilization. Exemple de faux fruit, le bananier, sinon la banane. Example, the plantain. La banane ne résulte pas d'une fécondation. The plantain does not come from a fecundation. C'est donc un faux fruit. It is a fake fruit. Donc si tu as un faux tronc, if you have a fake trunk, et que tu parasites les autres arbres, and you creep on the other tu tree, vis aux dépens des autres et tu finis par les tuer. You live depending on the other and end up killing on parle them. De parasitisme. We talk about a parasite. Et si tu portes encore des faux fruits, and you bear fake fruit in you, j'ai le droit de t'appeler
appeler un faux arbre. I can call you a fake tree. Donc le figuier est un faux arbre. The fig tree is a fake tree. Remontons en Genèse. Let's trace back to Genesis. Dans le jardin d'Éden. In the garden of Eden. Adam est proche de Dieu. Eden is closer to God. Semblable à Dieu. Looking like God. Par le péché, le venin du serpent entre en lui. For the sin, the venom of a snake. Il chute. He fell. Il est dégradé. He is a collapse. Il descend. He comes down. Alléluia. Amen. Et il devient comme un animal. He becomes like an animal. Pour avoir écouté un animal. For having listened son to an raisonnement animal. Est faussé. His reasoning is fake. Il ne voit plus comme Dieu voit. He can no longer see as God sees. Il se rend compte qu'il est nu. He notices as he's naked. Et il cherche une solution dans le jardin. And looking for a solution in the garden. Pour se couvrir. Just to cover himself. Il y avait plusieurs arbres. There were many trees. Contexte oblige, il y avait même la vigne. We even had a vine. Il n'est pas conduit vers la vigne. He didn't, he was not led toward. Il y avait l'olivier. We also have olive tree. Il n'est pas conduit vers l'olivier. He not led toward the olive tree. Les arbres ont fait une réunion. The trees are gathered. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu. For those who read the word of et God. Les arbres ont dit au figuier, mais viens régner sur nous. And the tree said to the fig tree, come and reign over us. Parce que ton huile sert à oindre les rois. Because the oil is used to anoint kings. Donc l'olivier est un arbre noble. Then the olive tree is a noble tree. Adam n'a pas vu l'olivier dans le jardin. Adam did not see the olive tree in the garden. Parmi tous les arbres qui existaient, among all the trees existed, puisque son raisonnement était faussé, since his reasoning was fake, Adam va se diriger vers le figuier. He will be led toward the figuier. Prendre les feuilles du figuier, take the leaves of the figuier, et faire sa couverture, and cover himself with. Je peux voir Dieu saisir sa tête et remuer la tête. I can see God holding his head and Adam, shaking it. Adam, vraiment, qui es-tu devenu? Really, Adam, what has you become? C'est ainsi que le raisonnement de plusieurs sont faussés. That's how the reasoning of men are. J'allais dire effacé. I would say. Ils ne voient plus comme Dieu voit. They no longer see as God sees. Ils n'ont plus la nature de Dieu. They don't have the attitude of God. Ils ont une nature dégradée. They have a collapsed nature. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. This morning, I have a good news for you. Dans ce mois de la permutation, in month of permutation, tu vas quitter une nature dégradée. You leave a degraded pour attraper nature, une nature divine au nom de Jésus-Christ. To have a divine nature in the name of Jesus. Celui qui dit Amen, c'est à lui que je parle depuis cet hôtel. Say Amen, I'm speaking. Je disais que tu vas quitter une zone d'ombre et rentrer dans une zone de gloire, dans une zone de lumière, dans une zone de prospérité. Ta nature change ce matin au nom de Jésus-Christ. Des milliers d'années plus tard, thousands of years later, nous retrouvons le Seigneur Jésus, we find the Lord Jesus, dans deux scènes différentes, in different stages, two different. Et c'est là mon message. And here is my message. Jésus retrouve un figuier au bord du chemin. Jesus found a fig tree at the end of his way. Il y a déjà un antécédent. There is also a precedent. L'antécédent du jardin d'Éden. The preceding of the garden of Eden. Jésus se présente à ce figuier. Jesus presents himself to the fig tree. Ce figuier, je peux le prêcher comme étant une église. That fig tree can be preached as a church. Parce que beaucoup d'églises présentent des feuilles mais zéro fruit. Because many churches present leaves but no fruit. Comme le Bishop Ouattara va faire un séminaire. When Bishop Ouattara has a seminary. Moi aussi je vais faire un séminaire. I will also organize a seminary. Son séminaire peut être une vigne avec des fruits. His seminary can be a vine with fruit. Et toi ton séminaire dans ton église peut être un grand figuier, beaucoup de feuilles, zéro fruit. But yours can be a fig tree with leaves without fruit. Ce figuier, je peux le prêcher comme étant un pasteur. I can preach the fig tree as a pastor. Je bénis Dieu pour la formation pastorale et spirituelle que nous recevons dans cette maison. I praise God for the pastoral teaching that we have in this house. Parce que cette formation ne consiste pas en de belles affiches. Because this training is not only good billboard. En une belle position sur l'affiche. We have a position on the billboard. Avec une grosse Bible de 5 kilos. With a big Bible of 5 kilos. La formation que nous recevons ici en tant que pasteur ne consiste pas en des bons vêtements, non. The training we have here does not consist in having good clothes. Bien que ce soit important. Even if it is important. Beaucoup de ministres de Dieu sont devenus des figuiers. Many ministers of God have become fig trees. Présentant des feuilles. Displaying leaves. Et zéro fruit. And no fruit. De tels ministres de Dieu risquent. This kind of minister of God may d'être séché, may be dry, non pas par Satan, not by Satan, mais par le Seigneur lui-même, but by the Lord himself. Mais ce matin, je prêcherai le figuier comme étant un chrétien. But I'm preaching the fig tree as being a Christian. Hallelujah.
Amen. Tout chrétien, any Christian, ici rassemblé, here, nous étions des païens. We were unbelievers. Nous n'appartenons pas au peuple d'Israël. We didn't belong to the people of nous Israel. Avons été adoptés. We have been adopted. Par le sacrifice de Jésus, by the sacrifice of nous Jesus, sommes devenus we have become des enfants de Dieu. Children of God. Mais il arrive que notre nature n'a pas changé. But it's happened our nature didn't nous change. Demeurons limités, we remain limited, bloqués, blocked, réclamés. Claim. Si notre nature ne change pas, if our nature does not change, alors nous pouvons être à l'église, then we can be at church, et garder la nature de figuier, and have the nature of the fig tree. Mais je vais y arriver. But I'll get to pour l'heure, je suis sur le figuier qui était au bord du chemin. For the time being, I'm at the fig tree on the way. Tout chrétien qui est au bord du chemin, any Christian on the way, est semblable à un arbre qui est au bord du chemin. Is like a tree on the way. Pour ceux qui ont fait le village, for those who were in the village, quand un arbre est au bord du chemin, when a tree is by the way, il n'a pas à personne. It belongs to nobody. Quand il produit des fruits, when it bear fruit, le premier qui passe, the first passes, le premier marabout qui passe, the first idol priest passes, le premier féticheur qui passe, the first idol priest, le premier sorcier qui passe, the first sorcerer passing, le premier prophète de quartier qui passe par là, the first prophet of the area passing, le premier prophète de salon qui passe par là, the first prophet of a living room passing by, qui passe par son salon quoi, arrache by tous les fruits. Snatch all the fruits, et il part avec. And they go with them. Et vous le retrouvez sans fruit. And you find him without fruits. Parce qu'il n'est pas encadré. Because he's not framed. Parce qu'il n'est pas entretenu. Because he's not. Parce qu'il dit qu'il est chrétien. But if he's a Christian. Mais il fait son culte sur Facebook. But he has his service via Facebook. Il est donc au bord du chemin. Then he's at the is by the road. Un tel chrétien, on ne peut pas trouver de fruits dans sa vie. We cannot find fruit in the life of this kind of Christian. Hallelujah. Amen. Mon choc pour ce figuier, my shock that the, for that fig tree, c'est que ce n'est pas Satan qui l'a maudit. It's not Satan that cursed it. Mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a maudit celui que j'ai identifié ici, un chrétien. It is the Lord himself who cursed him as I identified. En une minute, in only 1 minute, ce figuier a été séché. That fig tree has been dry. Il avait la nature de figuier. It has the nature of fig tree. Il était au bord du chemin. It was by the way. Et il ne portait pas de fruits. And it did not bear fruit. J'ai une bonne nouvelle pour toi. I got a good news for you. Toi, tu es planté dans cette vigne. You are planted in this vineyard. Église ambassade des miracles. Miracle Embassy Church. Et je vais te dire. And I'm going to say. Dans cette maison. In that house. Tu vas porter de grands et d'énormes fruits au nom de Jésus que c'est nos parents spirituels. You will bear big fruit by the name of our spiritual parents. Ton amen est trop faible. Your amen is weak. Donne-moi un bon amen et que cela soit appliqué à ta vie. Give a big amen. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je fais ce matin une étude comparative entre ce figuier au bord du chemin et l'autre figuier, mais lui est dans une vigne. I'm making a comparison between the fig tree on the way and the la Bible dit le maître est venu le premier jour. The Bible says he came the first day. Il y avait pas de fruits. They did not have any fruit. La première année. The first year. Il y avait pas de fruits. No fruit. La troisième année. The third year. Il y avait pas de fruits. No fruit. C'est vrai qu'il n'avait pas encore de fruits. It's true that he did not yet have some fruit. Mais il avait l'avantage d'être dans une maison. But he had an advantage to be in a il house. Avait l'avantage d'être dans une église. There was an advantage to be in a church. Il avait l'avantage d'être dans la vigne. There was an advantage to be in a vineyard. Hallelujah. Amen. À ce niveau, deux axes se définissent. At this level, we have two definitions. Le premier axe, the first axis, c'est que tu peux être dans une vigne, that you can be in a vineyard, autour des vignes, around a vine, parce que le champ s'appelle vigne, because the field is called a vineyard, et la plante aussi s'appelle vigne, celle qui produit le raisin. And a plant also is called a vine because it gives the grapes. Donc tu peux être au milieu des vignes, you can be in the midst of the vine, et avoir la nature de figuier, and have the nature of the fig tree. Hallelujah. Amen. Mais mon point n'est pas là. But my point is not there. Ce que je crois, what I believe in, c'est que même si tu es un figuier, that even if you are a fig tree, même si ta nature est condamnée, even if your nature is même si tu as une nature bloquée, even if you have a block, même nature, si tu portais des faux fruits, even if you have fake fruit, et même si tu avais que des feuilles à présenter, even if you have some leaves to present, en étant autour des vignes, by being around a vine, ta nature va permettre du figuier à la vigne au nom de Jésus. Your nature will en étant auprès du bishop Ouattara Mohamed Idris, by the side of the bishop en étant encadré par Maman Tania, by being monitored by Mami Tania, que Dieu a béni,
that God blessed. Et Dieu leur a donné la nature de porteur de fruits. And God gave them the nature of fruit bearer. Je ne portais pas de fruits avant d'être dans cette maison. I did not bear fruit before being Mais in je t'ai rendu témoignage tout à l'heure qu'en étant greffé à eux, but, j'ai commencé à porter des fruits. But I testified that when I was grafted La to them, même I bear chose fruit. T'arrivera si tu te greffes à des vignes, tu produiras des fruits au nom de Jésus. Dans chaque domaine de ta vie. In each aspect of your life, you'll bear fruit. Je vais le répéter encore parce que c'est important. I'm going to say it again before it's important. Tu copies ce que tu vois. You copy what you see. Tu es influencé par ce que tu entends. You grow by what you hear. Tu es influencé par ce ou ce qui t'entoure. You are influenced by what surrounds you. Alors, en étant planté dans cette maison, then by being planted in this house, tu es venu figuier, you have become a fig tree, avec beaucoup de feuilles, with many leaves, mais tu repartiras vigne portant de noms et de grands fruits au nom de Jésus-Christ. But you live here with Je parle pour quelqu'un qui dit Amen. I'm speaking to somebody saying Amen. Hallelujah. Amen. Le premier figuier a été séché en un jour. The first fig tree was dried in only one day. J'exagère. En quelques minutes. Just in a few minutes. Même pas en une heure. Not even in one hour. Parce qu'il n'avait pas d'église. Because he didn't have a church. Parce qu'il n'avait pas de pasteur. Because he didn't have a pastor. Mais le deuxième figuier, second fig tree, lui était dans une vigne. He was in a vineyard. C'est vrai qu'il avait la même nature que l'autre. So that was the same nature. Il se peut que tu aies toujours la même nature que tes parents que tu as laissé dans le monde. You may have the same nature with the parent you left Il se world. Peut que bien que tu n'adores plus le Dieu de ta famille, though you don't worship the God of your family, tu as toujours la même nature que les membres de ta famille. You may have the same nature as the members of your Mais family. Mais je viens t'annoncer ce matin. But I'm here to announce you this morning. Si seulement tu as eu part au repas du Seigneur que notre Père nous a donné. If only you partake in the Holy Communion. Coïncidence prophétique oblige. Prophetic coincidence. Le repas que nous avons mangé ce matin vient de la vigne. The meal that we take this morning is coming from the vine. Donc je n'ai pas beaucoup d'efforts à fournir. I don't have many effort to make. Pour te dire ce matin, to tell you this morning, ta nature a changé au nom de Jésus. Your nature changed in the name of je Jesus. Le dis pour celui qui dit Amen. Je dis ta nature a changé au nom de Jésus. Your nature has changed in the tu name n'es plus of un figuier maudit, you no longer a cursed mais tu es une vigne qui porte beaucoup de fruits. You are a vine of dis trois fois Amen et que cela soit Amen. Validé dans ton esprit et en esprit. Amen. Le koto vo katababoma. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Le figuier enfant des faux fruits. The fig tree that bring a fake les faux résultats. Fake results. Les faux maris. Bad husband. Les faux fiancés. Bad fiancés. Mais à compter du jour où tu es rentré dans cette maison. But from the day you get into this où house, tu as commencé à avoir part à la nourriture du Seigneur. When you started partaking in a holy tout ce qui vient dans ta vie sera vrai. Everything coming in your life will sera be true. Bon. Will be good. Sera consolidé. Will be strengthened. Sera meilleur. Will be better. Ta nature change ce matin. Your nature is changing au nom de in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Il est dans la vigne. He is in a vineyard. Il est en processus de transformation. In a process of transformation. Je ferai une faute grave si je ne dis pas ça. I'll make a big mistake if I don't. Le Seigneur say it. A dit et c'est important. The Lord said and it is important. Ça fait 3 ans. 3 years ago. 1, 2, 3 ans. 1, 2, 3 years. 365 fois 3. 355 multiplied by 3. 12 fois combien? 12. 12 fois 3. 12 mois fois 3. 12 times multiplied by 3. Que je viens chercher du fruit. That I'm here for fruit. Regardez la patience du Seigneur vis-à-vis de ce deuxième figuier. Look at the patience of the Lord according to the second fig tree. Et il n'a pas de fruit. And he doesn't bear fruit. Tout ce qui ne porte pas de fruit. Everything that does not bear fruit. Au bout de 3 ans. At less than 3 years. Doit être coupé. Shall be cut off. C'est le Seigneur qui a dit ça. This is the Lord who said it. Tout ce qui dure 3 ans. Everything that lasts 3 years. Tout mariage qui dure plus de 3 ans. Every marriage that go beyond 3 years. Où il n'y a pas encore d'enfant. Where there is not yet a child. C'est un problème. It is a problem. Tout chrétien. And a Christian. Qui fait 3 ans. Who make 3 years. Dans la maison du Seigneur. In the house of the Lord. Et qui connaît toujours le même verset. And always know the only one verse. Qui a toujours la même dimension spirituelle. Only the same level of spiritual level. Qui a toujours les mêmes démons. Only have always had the same demons. En tout cas, un chrétien qui vient à l'ambassade des miracles. A Christian attending miracle ambassador. Au bout de 3 ans. At the end of 3 years. Tu te bats toujours avec la même chose. You're still fighting with the same things. Dis avec moi, c'est que quelque chose ne va pas.
Tell me, is mean there something wrong? Ce n'est pas normal. This is not normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Say it's not normal. C'est un cycle que le Seigneur a donné. It is a sign that the Lord gave. Tout ce qui dure 3 ans, everything that lasts 3 years, doit produire des fruits. Shall bear fruit. Chaque fois que mon père me donne l'opportunité de prêcher au camp de prière, each time my father gave me the opportunity to pray at the prayer camp. Puisque la délivrance n'est pas systématique. Sin delivery is not systematic. Mais elle est spécifique. But it is specific. En français facile, ça fait la délivrance, c'est pas un coup. It means easy friend, the deliverance does not come out of the blue. C'est un peu. It's a little by little. Domaine par domaine. Field after field. Donc j'ai l'habitude de dire aux campeurs. Then I used to say to those who tell the. Je ne veux plus te voir à la prochaine retraite spirituelle. I no longer want to see you at the next retreat. Avec le même sujet. With the same prayer topic. Quand je te vois la prochaine fois. If I see you next time. C'est pour un autre sujet que tu es venu te battre. For another prayer topic. Au bout de 3 ans. At the end of 3 years. Le Seigneur dit couper. The Lord said cut off. Jeter au feu. And throw it in the fire. Dis à ton voisin le plus proche, tu n'as pas tout le temps d'être. Say to your closest neighbor, you don't have all the time. Le Seigneur a mis son chronomètre. The Lord has put his watch. Hallelujah. Permettez-moi d'aller vers la fin. Allow me to move toward the end. Ce que j'aime aussi dans ce passage, what I love in that passage, c'est que pour le premier figuier, that for the first fig tree, quand le Seigneur arrive, when the Lord arrives, il s'adresse directement. He spoke straight au figuier qui est au bord du chemin. To the fig tree, by the way. Puisque tu dis que tu n'as pas besoin d'un pasteur. See, you did say you don't need a pastor. Tu n'as pas besoin d'être dans une église. You don't need to be in a church. Donc tu vas parler face à face avec le Seigneur. Then speak face to face. Et quand il viendra avec son poids et sa dimension, when he come with the way and dimension, ainsi que sa gloire, and his glory, mais tu seras écrasé, but you'll be smashed, et tu seras séché, and you'll be dry. Allez demander à Paul. Go and ask Paul. Pour le deuxième figuier, for the second fig tree, puisqu'il est dans une vigne, since he's in a vineyard, il a un père spirituel. There is a spiritual father. Quand le Seigneur arrive, when the Lord is coming, pour une sentence à appliquer sur ce figuier, for a verdict that should be applied, il ne parle pas au figuier. He doesn't speak to the fig tree. Il parle au vigneron. He speaks to the vine keeper. Il y a des gens avec qui Dieu s'assoit et discute. There are people with whom God still sits. Il dit mais celui-là, comment tu vois son cas? He said, how do you see the case of that one? Il dit c'est vrai qu'il est en faute. It is true that he made a mistake. Mais je peux encore l'aider encore un an. But we can help him just for one. La loi dit 3 ans. Let's say 3 years. Le Seigneur dit 3 ans. Lord said 3 years. Mais le vigneron dit. But the vine keeper tu said, as dit 3 ans. You said 3 years. Mais toi tu es au ciel. But you are in heaven. Tu m'as donné la terre. You are here in tu the m'as earth. Donné l'église d'ambassade des miracles. Tu m'as donné les membres de l'église d'ambassade des miracles. Donc je peux plaider. Je peux intercéder. Je peux rallonger le temps. Je peux lui donner encore un an de plus. I can learn for the time and give oh, je ne sais pas more. Si tu sais de qui je parle. I don't know who you're talking je ne sais about. Pas si tu vois de qui je parle. If you see who I'm talking nous about. Avons dans cette maison un vigneron. We have a vine keeper. Quelqu'un qui sait creuser autour. Somebody who know how to dig around. Mettre le fumier. Even the fertilizer. Mettre la sainte scène. Even the holy meal. Être patient avec toi. Be patient with you. Alors que tu peux occuper la place inutilement. Yeah, you can use a place uselessly. Il dit, c'est pas grave. You say, it doesn't matter. Ce n'est pas grave. It doesn't matter. Laissez-le encore. Let him again. Laissez-le encore un an. Give me some more time, one Seigneur, year. Tu as dit 3 ans. Yeah, you said 3 years. Mais moi, je dis un an de plus. But I'm saying 1 year more. Il y a more. Des hommes qui s'asseyent avec Dieu. But there are some men who sit with God. Et qui discutent du cas des hommes. And they discuss about the case, the matter of man. Mande kotovo kataha. Hey! Hallelujah! Amen. Je dis, je répète, il y a des hommes qui s'asseyent avec Dieu. There are men who sit with God. Et qui disent, and say, le temps est fini pour lui. Time is over for him. Mais je plaide dans une prolongation. But I'm pleading for a lengthening. Je suis venu ce matin. I'm here this morning. Adossé au manteau de mon père spirituel. Lean on the mantle of my spiritual father. Déclarer à quelqu'un qui n'a pas encore produit de fruits. Declare to somebody who has not yet. Depuis janvier jusqu'à maintenant. From January to now. Je suis venu te le dire, adossé, appuyé à cet autel. I'm here leading.
meaning on this altar. Que tu vas avoir un temps de prolongation. That we'll have time of lengthening. Et dans ce temps de prolongation, in this lengthening time, jusqu'à la fin de l'année, till the end of the year, à travers les séminaires que nous aurons à cet hôtel, through the seminary that we'll have, à travers le temps de jeûne de combien de jours? 21 jours. For the 21 bien aimé, le fumier sera mis dans ta vie. The fertilizer will be put on in va creuser autour. We'll dug around. Et quand le Seigneur reviendra, when the Lord will come back, tu auras une entreprise à présenter. You'll have a company to show. Tu auras un mariage à présenter. You'll have a marriage to show. Tu auras des enfants à présenter. You'll have some children to show. Jusqu'à la fin de l'année, till the end of the year, tu auras une promotion you'll have à présenter promotion au Seigneur to show au to the nom Lord, de Jésus. In the name of Jesus. Tu auras un nouveau miracle à présenter. You'll have a new miracle to present. Je parle à quelqu'un qui est en train de venir à l'hôtel. I'm speaking to somebody quelqu'un coming qui est en train de s'aimer sur cette parole who is coming and sow et qui voit le fruit arriver dans sa vie. And see the fruit coming. J'aimerais que tu saisisses une sémence sur cette parole take et que tu la reçoives à l'autel au nom de Jésus. Take a seed and obtain it on the altar in the name of Jesus. L'autel de l'Éternel, the altar of the Lord, c'est la vigne du Seigneur. Also the vine of the Lord. Je ne sais pas combien d'années tu n'as pas porté de fruits. I don't know how long you did not mais je viens te le dire au nom de Jésus. I'd like to tell you in the name of Jesus. J'ai la confiance de mon Père ce matin. I had a conscience of my father this et je viens morning. Te le déclarer. And I can tell you, ta nature change. Your nature is changing. Tu changes de nature. You change your nature. Et tu portes de nombreux fruits. And you bear new fruit. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. 3 ans, c'est exagéré. Three is exaggerated. Je te donne 3 semestres. I'm giving you 3 semesters. Je te donne 3 semaines. I'm giving you 3 semesters. Je te donne 3 trimestres. I'm giving you 3 trimesters. Je te donne 3 jours. I'm giving you 3 days. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je sors de l'émotion. I'm coming out of emotion. Je suis dans l'onction. I'm in the anointing. Et je parle à un homme qui n'a pas encore eu d'enfant avec sa femme. And I'm speaking to somebody who has not yet had children with his je wife. Je parle à cet homme. I'm speaking to that man. Je te le dis depuis cet hôtel. I'm telling you from this altar. 3 jours. 3 days. 3 jours. 3 days. Ce que tu n'as pas eu en 10 ans. What you couldn't have on 10 years. Ce que tu n'as pas eu en 3 ans. What you did not have on 3 years. Tu iras avec ton épouse en 3 jours. You go with your wife in 3 days. Et tu auras le résultat pour lequel ta femme a prié pendant des années. Dieu passera par toi pour l'exaucer à travers ta sémence. Elle ne sera plus infertile, mais elle sera fertile au nom de Jésus. Yo, je parle à un homme. I'm speaking to a man. 3 jours. 3 days. J'ai dit 3 jours. I'm saying 3 days. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous avons un avantage d'être dans une vigne. We have an advantage to be in a vineyard. Nous avons l'avantage d'avoir un vigneron. We have an advantage to have a vine keeper. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Je pourrais encore m'étaler. I can also lengthen. En parlant peut-être de Matthieu 22, le verset 11 à 13. By talking about Matthew 22, 11 to 13. Qui nous dit un roi a invité plusieurs personnes à un banquet. A king has invited many people for a celebration. À des noces. To a wedding party. Matthieu 22, 11 à 13. Matthew 22, 11 to 13. Finalement, lui qui a invité tout le monde dans la maison. Finally, instead of inviting everybody in the house. Il passe comme le bishop Ouattara passe pendant les anniversaires. He's passing by as a bishop Ouattara like during il salue tout le monde. He greets everybody. Et il tic. And he stopped a little bit. Il dit, mais pourquoi celui-là n'a pas revêtu les vêtements de noces? He said, why this guy did not have a wedding clothes? Finalement, il dit, il occupe la place inutilement. Finally, he said, he's using the place uselessly. Attrapez-le. Grab him. Attachez-lui les mains. Fasten his hand. Attachez-lui les pieds. Fasten his feet. Dis à ton voisin, on peut faire ça à un invité? Tell your neighbor, can we do this kind of thing to a guest? Jetez-le dehors. And throw him outside. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Where we have a gnashing of teeth. C'est la même interprétation. That is same translation. Tu viens tel que tu es. You come as you are. Mais tu n'as pas le droit de rester tel que tu es. But you don't have the right to remain as you are. Il y a un compteur. There is a counter. Au bout d'un certain temps, at the end of some time, on va te demander des comptes. We must hold you accountable. Et cette image est bizarre. And that image is weird. C'est comme si je vois des chronomètres sur la tête de beaucoup de personnes. As if I can see stopwatch at the head of many. La couleur dominante c'est le rouge. And the dominant color comme is the si red. Comme si ça clignote pour dire. As if it's clinking. Off. C'est comme si le temps est fini. As if the time is over.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. But I got a good news for you. Pour qui je vois cela? For whom I can en see fait, that. Ce n'est pas une image présente. It's not a present image. C'est une image passée. It is a past image. Et j'entends la voix de l'Éternel qui me dit, il y a eu intercession. I can hear the voice saying, le vigneron a plaidé pour qu'il y ait prolongation. The vinekeeper has pleaded afin for a prolongation. Que là où tu as épuisé le temps pour un certain miracle, so that when the time is over for some Dieu miracle, te donne l'opportunité par cette intercession, God is giving you an opportunity through this intercession, de notre père ou de notre mère, by the d'avoir un temps de prolongation. With our father to have a ça a été fait sur ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. It was done on your life without you realizing. Mais pour ça, je veux que tu acclames le Seigneur for pour that, dire merci. I would like you to give a clap offering ça to the Lord. Ça clignote comme ça, des chronomètres un peu partout. I can see some stopwatch everywhere. Les vieux chronomètres avec deux ou trois touches là. The old stopwatch. Et ça clignote en rouge, ça met off. It's clinking off. Comme pour dire le temps était fini. To say that the time is over. Mais Dieu a accepté une prolongation. God has accepted the lengthening. À cause de l'intercession. For the intercession. C'est un avantage it is an advantage d'être dans une maison, to be in a house, dans une vigne, in a vineyard, et c'est un avantage and it is an advantage d'avoir un vigneron to have a vinekeeper qui nous traite that deal with pour us que notre nature puisse changer. For our nature to change. J'ai dit que je suis pressé, donc je vais aller doucement. I said I'm in a hurry, then we have to go slowly. En guise de conclusion, as a conclusion, avant qu'on ne puisse prier, before we pray, Psaume 80, le verset 9. Psalm 80, verse 9. Nous allons le proclamer trois fois. We're going to proclaim it three times. Et ensuite, nous allons prier quelques minutes. And later on, we'll pray for a minute. À trois, nous lisons. 1, 2 et 3. Lis-le une deuxième fois. Et tu l'as planté. La troisième fois, dis avec moi, tu m'as arraché de l'Égypte, de la terre de malédiction, de la terre de ma famille. Tu as transformé ma nature. Tu as permuté ma nature du figuier à la vigne. Tu as chassé des païens sur des postes de responsabilité. Tu as chassé des impies et tu m'as planté à l'église ambassade des miracles. Tu m'as planté sur un territoire où coule le lait et le miel. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as dit? Do you agree with what you read? Si tu es d'accord, célèbre avant de pouvoir prier. Célèbre le Seigneur. Give a celebration to the Lord. Dis avec moi, Éternel, Éternel. Say with me, Lord, Lord. Ce matin, j'ai entendu ta parole. This morning, I heard your voice. Your et word. Je déclare. And I'm declaring. Par la prière d'autorité. By the prayer of authority. Que ma nature change. That my nature is changing. Du figuier que j'étais. From the fig tree I was. Je livre bataille ce matin. I'm waging war this morning. Adossé au sang de Jésus. Lean on the blood of Jesus. Adossé au manteau de mes parents spirituels. Lean on the mantle of my spiritual parents. Je livre bataille. I'm waging war. Pour être la vigne que tu dis que je suis. To be in the life what you said. En battant les mains en priant. Clapping and praying. Je change ma nature ce matin. I change my nature. Est-ce que morning. Tu peux battre les mains et prier en quelques minutes? Put your hand together and sois pray. Sérieux, sincère. Tu as une seule prière à faire. Pray. Que tobo santa babreka baha. Est-ce que tu parles les mains? Est-ce que tu pries? Clap and pray. Même plus intensément, prie, jouons, prie, katabalaba santabaya, rekotobo kotobo, le brakata la baba, ikalaba sukantaba roba, le kotobo sukataba bre, rabakunda babre, le kosotobo kiataba, ekalaba baba babo sataya, ekotobo katababoma, likunda babre, rabakunda baroba.
les corrodo bochete, les caraba kataba brekaba, ikatala bayamda baboma, les kotobo corrodo bobo, les corrodo bokotobo, et kataba brokatabaya. Je proclame ce matin, en battant la main en priant, ma nature change. Le figuier maudit que j'étais, je deviens une vigne. Au nom de Jésus. Au nom de... J'ai envie de dire à quelqu'un qui lève les mains, on ne te reconnaîtra plus par tes feuilles, mais on te reconnaîtra par tes fruits nombreux. Au nom de Jésus. En ce mois de novembre, je viens déclarer à quelqu'un, ta nature change. J'ai dit ta nature change. J'ai dit encore ta nature change. Du figuier que tu étais, tu deviens une vigne ce matin. Tu es une vigne ce matin. Au nom de Jésus Christ, tu portes et tu porteras des fruits jusqu'à la fin de cette année. You bear and will bear fruit till the end of this year. Jusqu'à la fin de cette année. Till the end of this year. Tu n'auras pas que des feuilles à présenter. You never have some leaves to tu auras present. Des noms fruits à présenter. You have big fruit to present. Je parle pour quelqu'un qui dit amen. I'm speaking to somebody saying amen. Ce matin, je prends le sang de Jésus. I'm taking the blood of Jesus this morning. Adossé à l'autorité de mon Père. Lean to the authority of my Father. Et je parle à quelqu'un qui lève ses mains. And I'm speaking to somebody lifting. Le sang de Jésus, the blood of Jesus, est déversé dans tes fondations. It's poured in the foundation. Tes racines aspirent le sang de Jésus. Your root et là où tu portais de faux fruits, where you have fake trees, de mauvais fruits, bad fruit, je le déclare. I'm declaring, à la prochaine saison, next season, avant la fin de l'année, before the end of the year, tu auras de bons fruits à présenter. You have good fruit to present. Tes entrailles vont avoir des fruits. Your womb will have fruit. Tes finances vont porter des fruits. Your finance will bear fruit. Ta santé va porter des fruits. Your health will bear fruit. Ton époux va porter des fruits. Your wife, husband will bear ta maison fruit. Va porter des fruits. Your house will bear fruit. Ta spiritualité va grandir. Your spirituality will grow. Avec les dons spirituels. With the spiritual gift. Avec les fruits de l'esprit. With the fruit of the spirit. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Tant que as long as tu resteras planté, you remain planted dans la vigne, in a vineyard, église ambassade miracle, miracle in Bassi Church, et que tu auras pour vigneron, and you'll have as a vine keeper, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, et la révérende pasteur Tania Ouattara, and the reverend pastor Mama Tania Ouattara. De bonnes choses t'arriveront au nom de Jésus. Good things shall happen to you. Tu produiras d'énormes fruits au nom de Jésus. You'll bear good fruit in the name of Jesus. J'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. I'd like you to give a clap for pour ce que tu as reçu ce matin. Everything you receive this morning. Et j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. Clap the Lord. Pour recevoir celui que Dieu a qualifié. To receive the one God has qualified. Pour traiter nos vies. To deal with our lives. Afin que notre vie for our life, reçoive de beaux et de grands fruits receive a good au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ça.